Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur un élevage que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps. Donc c'est l'élevage de fourmis. Donc j'ai trouvé une gine dans la nature, enfin dans mon jardin. Je l'ai prise, j'ai mis dans un petit PC comme ça. Au fond, j'ai mis de l'eau, du coton, j'ai mis dedans et j'ai rebouché encore avec du coton. Donc, ça va faire, je crois, 3-4 jours que je l'ai. 4 jours, je crois, ouais. Ça va faire 4 jours que je l'ai. Elle a déjà commencé à pondre des larves. Je sais pas si je vais réussir. Bref, c'est les petits points là que vous voyez. Là, ils sont sur la reine maintenant. Donc là, on a pondu deux comme ça. Voilà, là on les voit. Excusez-moi, ma caméra est tombée. Donc je vais vous remontrer. Là on voit les larves. Ici donc c'est les larves. Donc après ça va devenir des fourmis. Ça va devenir des fourmis dans environ un mois je pense. Un ou deux mois. Ça dépend des espèces. Ça, alors là, je sais pas du tout c'est quoi comme espèce. Donc, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Donc, c'est une espèce qui vit dans les jardins. Et qui se situe en Île-de-France. Voilà, donc essayez de trouver. Moi, je sais pas du tout c'est quoi. Donc oh, j'ai trouvé en fait il y a pas longtemps on était posé moi et ma soeur et après j'ai vu une gine qui cherchait son nid, enfin pas qui cherchait son nid, enfin si, mais laisse tomber. Bref, en tout cas, j'ai trouvé dans mon jardin et je l'ai prise pour en faire un élevage. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous présenter ma gine. Et elle continue en plus à pondre. Au début, il n'y en avait que 3. Et là, il y en a beaucoup plus. Hein. Je pense qu'il y en a 12. Voilà. Donc, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.